Et salut à toi YouTube, bienvenue dans cette vidéo de la COTD du 12 juillet, tout simplement. Et on est parti. Alors j'ai un tout petit peu de retard. Je perds une minute. Une minute de... Oh, ça fait bizarre de jouer. Parce qu'en soi... Bon, est-ce qu'on a joué lundi? Pas vraiment, hein, parce qu'on a que mappé pour la Next of the Week. À quand le tour du mapping? Sinon, bonne CHN C3 pour demain. Mais en vrai, j'ai pas joué depuis samedi. Et on est mercredi soir. Non, là, ça va plus du tout, là. Je sais plus jouer. Attendez, il faut que ça revienne. Ah, par contre, là, pestilé. Alors, j'ai cru que c'était de la dirt. Ok. Là, il faut se concentrer. Ok, c'est une transi là-bas. Du réacteur. Ok. Réacteur reset. Et ça, c'est de l'herbe, je crois. Merci, Desire. Merci beaucoup pour le 8e mois. Retour du mapping. Je sais pas encore quand. Bon, en ce moment, j'ai beaucoup de trucs de prévu. Bah, surtout ce week-end. Ce week-end, on a la World of Wampus. Je sais pas, j'avais donné un nom à ce truc. Je crois que j'ai dit WoW Trip. En gros, on va faire les 4 World of Wampus. Mais je vous invite à faire point d'exclamation WoW si vous avez pas l'info, tout simplement. Mais c'est ce week-end. Du coup, ouais, le soir, c'est dur de trouver du temps pour mapper en plus de ça. Là, demain, il y a la cup de... Il y a la cup de Tom. Du coup, je m'entraîne ce soir pour la cup de Tom. Enfin, c'est dur de trouver du temps libre pour mapper. Mais on aura le temps, vous inquiétez pas. Peut-être lundi soir prochain, petit mapping. Après, je pars bientôt en vacances, moi. Je pars bientôt en vacances. D'ailleurs, YouTube, vous commencez à avoir... du décalage. Alors pas sur cette vidéo, mais voilà, comment dire, généralement je sors les vidéos 2 ou 3 jours après leur diffusion. Là ce sera un peu plus, parce que forcément je continue à faire une vidéo par jour sur YouTube quand je suis en vacances. Et donc voilà. Alors je dis vacances, mais je vais à Tomorrowland pour le premier week-end de Tomorrowland. Du coup, je pars en vacances en Belgique. Voilà. Bon, je suis pas focus, hein. Et surtout que c'est du tech. J'ai mal aux mains. J'ai déjà mal aux mains. J'ai mal aux mains à chaque fois que je joue du tech. Ok, la réacteur. Bam. Là, je sais plus. Ah oui, finish. En vrai, la map est courte. Vous savez que le village s'appelait Boom? Non. Je suis pas du tout informé. Ah, moi j'y vais en gigatouriste, hein. J'ai rien réservé, c'est tout le groupe qui s'est occupé. Je pense pas qu'il y a de hard, non. Rectify, t'as mal aux mains dès que tu fais une COTD. Non, j'ai pas mal aux mains sur les COTD qui sont pas style tech. Non, c'est pas du tech à chaque fois. Vraiment pas. Et on va limite test un petit peu. Ah, celui-là, je le fais pas bien. Ok. Juste mal au doigt qui appuie sur le frein. Non, c'est...
C'est les deux mains qui ont mal quand je joue du tech. Oh, mon écran est pas droit, putain. Ok. Ouais, ça crispe, il faut un peu plus être sur le joystick, c'est plus gauche-droite, un peu plus précis, avec le Neo Drift, etc. Donc... Bon, ça s'explique, hein. C'est surtout que j'ai pas pris mon magnésium aujourd'hui. Parce que j'ai oublié. Ah, blablabla. Ouais, depuis la mage, Twicker ne marche plus. C'est chez tout le monde, ça fait rien. Putain, je suis pas focus. Même mon bras, il est plus pareil. Il y a ma main qui touche le bras du micro, c'est horrible. Et bonsoir à tous. Je prenne un peu de holy. Tiens, en plus j'ai reçu mon dernier colis là. Et j'ai reçu mon shaker blanc. Trop content. Ah ouais, je suis vraiment à chier. Je vais prendre, avant que les rounds démarrent, je vais prendre mon magnésium. Putain, j'aime pas ce drift, on n'a aucune visu dessus. Genre là. Ouais, il faut que je le pré-shot. Bon, on va voir si je peux divin. Normalement, je me dis que si je rentre une run, ça devrait être divin, mais... pas assez excité. Ok, là c'est pas divin non plus. Perdu la guerre. Ah, c'est dommage le trolling à la fin. Mais je pense que ça save la divin quand même. Gastro. Le partenariat avec Oli est à durée indéterminée. Il y a 2 mois de test, mais globalement, je pense que ça va être... C'est prévu pour être du long terme, on va dire. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas du long terme.
Et merci Karanitro. Oh, je vous jure, j'ai trop mal aux mains. Attendez, je reviens. Hop là! Pas moi qui joue. Hein. Ouais, c'est. J'appuie. En fait, je pense sur les map tech, j'appuie plus fort sur avancer. Et du coup, ouais, ça. C'est vraiment la, le truc de la main. Là. La paume. Il prend cher. Et sur l'autre main. L'autre main, ça va encore. Non, j'appuie plus fort que d'habitude sur le sur avancer. Ah, c'est les risques du métier, hein. Par contre, no joke, le pouce, j'en ai souffert hein, mes premières années de jeu. Genre, ce pouce-là. Et j'ai de la corne. Bah ça, ça a pris un moment à se faire. Ah, il y a Néo qui parle. Ah, loulou. Et merci, Mucho. Mucho bueno, merci pour le 20e mois. Regardez, c'est ça. C'est ça que j'ai reçu. Ah merde. Voilà, c'est un shaker blanc basique. Qu'est-ce que tu fais là? Viens de ce côté, loulou. Quand tu veux jouer. Bon, bref. Hop. Ah oui, loulou. Oh, j'ai joué avec. J'ai croisé un petit chiot de 3 mois juste avant et ils ont trop bien joué. C'était trop mignon. J'ai fait une vidéo. Mais on verra rien, non? Regardez, attendez. Je peux vous montrer comme ça? Regardez. Et genre, c'est un petit chiot de 3 mois. Bon, et c'est flou, ouais, désolé. Mais... vraiment trop, trop mignon. Ah, Staffy. Oh là là. Ouais, je croise plein de petits chiots en ce moment. Je pense vraiment plein de petits chiots. Je sais pas pourquoi, pardon, la scène. Un staphylocoque doré, non, un staphy. Bah, vous avez staphy. STA2FI, je crois. Un staphogir. Staffordshire Bull Terrier.
Un staffy avec E peut-être. Par contre, Staffy, il est fort en, en World Tour. Hein. Bon, Sub 38 égale 10 sub gift. J'ai quoi en PB? Vas-y, je prends. Hein. Ah, quoi? Attends, quoi? Sub 38ème? Sub 38ème, 10 sub gift. Moi, je prends hein, tous les jours. Hein. Staffy et Storer. Staffy, il est bon. Merci le mulet. Pour le 14ème mois. 38. Ah bah, sub 38, ça veut dire 37. Je sais pas, j'ai fait 0.5. C'est quoi le WR? Alors, je crois qu'il y a un 38. Mais sub 39 jusqu'à quand, Tala? Parce que j'ai 10 minutes après la, la COTD, tu vois. Tu sais que c'est 10 sub gift quasiment gratuit et sans défi pour Yannick. Tu sais que c'est 10 sub gift? Non, non, non. Allez, first try. Hein. Oh, mais j'ai oublié, mais ça lag. Sur... Non, 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 on dirait que c'est une excuse, mais. Sur le serveur round, ça lag plus que sur le serveur TR. Mais vas-y, si je peux. Moi, j'y crois au sub 39, mais. Pas pendant les rounds, parce que je vais pas full grid pendant les rounds. J'ai 10 minutes après, avant la mini RPG of the week. Tu vois, même le premier, il fait 0.0. Ok, merci le mulet. Merci beaucoup. Sub 37. Non, si même le premier il fait pas le temps. On verra. Déjà là, si je pouvais pas perdre, j'ai réalisé à chacun de mes tries, je crois. Il y a du beau monde, mais il y a du beau monde à chaque fois. Merci Ozeki pour le 17ème mois, merci beaucoup. Je perdrai pas la gear ici. On pourra peut-être discuter.
Mais non, même le premier il fait point 1, je vais pas faire 38. Ça ne t'intéresse pas de faire les médailles champions? Pas du tout. Et merci aux équipes pour le 17e mois. Vraiment, j'ai zéro... zéro motif, zéro intérêt. En fait, si les médailles champions étaient officielles, genre natives au jeu, je les ferais. C'est juste un plugin Open Planet, hein. C'est juste la commu qui s'est dit « Ah bah les gars, on va faire une médaille champion », mais y a rien d'officiel, quoi. C'est bien connu qu'Yannex adore hunt la campagne. Ouais, non, le hunt de manière générale, j'aime pas ça. T'as trouvé comment cette campagne? Elle est très correcte. Hein. Très correcte, la campagne. Il y a eu un 39.0, va forcément y avoir un 38. Bah oui, mais pas par mois. T'as pas compris, je crois. Le challenge, c'est moi qui dois faire un 38. Et évidemment qu'il y en a déjà eu en time attack. Je suis out, je crois. Bon, on va faire le 38 en... On va faire le 38 en time attack. J'ai grid l'inté parce que c'était un temps correct. C'est le problème de vouloir faire un temps en round, en fait. Je suis de moins en moins là, mais toujours sur YouTV, Sage la sortie. Et ça marche, Wok. Worker sera de la partie. Pourtant, on n'est pas plus de 300 viewers, Worker. Merci Maxence pour le 15e mois. Ok, ok, ça te va. Ok, c'est noté. En petite session, hein, du coup. Ça fait longtemps, une session, hein. Mais non, mais pour la vanne. Pour la vanne, je lui ai dit... S'il y a plus de 3... Parce que je lui ai demandé est-ce qu'il est dispo, il m'a dit je sais pas encore. Je lui ai dit s'il y a plus de 300 tu viens. Genre il peut me dire qu'à la dernière minute. Et je pense que ça dépend peut-être de quand il mange, etc. Bien sûr, cette COTD va aller sur YouTube. Oui, en plus YouTube aime bien les sessions. Parce que j'en fais jamais, donc... Ouais, je vais cut pour que ça ait la durée d'une COTD. Mais à la place des rounds, je... parce qu'il m'avait pas tag au début.
Ouais, je viens d'en parler. Les médailles champions existent depuis 2 ans, les gars. Ça commence à faire. Mais non, ça m'intéresse toujours pas. Ouais, skin de la saison Summer. Si tu récupères 25 médailles hauteur, COTD ou campagne, tu chopes le skin. Bon, après, t'as aussi la version or, enfin bronze, argent, or. Mais celle-là, c'est hauteur. Oui, Barbos en COT des techs, c'est un gagnant d'office. J'ai regardé le WR une fois. Faut ta meilleure surface. Je m'en fous de la surface. Ah, no drift. Ok. Ouais, Barbos et Dexter sont allemands. Et ça va être le 1v1 final, je pense, de cette COTD là. J'ai pas vu si Dexter jouait, mais... Oh non, il est allemand. Non, je crois que ça met un casque random. Vraiment, c'est... Hop, le casque rouge. Hop, le casque bleu. Les Allemands sont quand même bons au jeu. Bah, bien sûr. Je pense même que... C'est la deuxième nation après la France, on va dire. Sur TM. En termes de niveau et de taille. Et après, il y a... Amérique. Et après, je vois. En termes de taille, USA est premier. Ils sont devant la France. Mais si tu fais un rapport au niveau de jeu... Voilà quoi.
République tchèque. Non. Si nombreux et pourtant si nuls. Mais parce qu'ils découvrent encore le jeu. Oh. Non mais des gros joueurs, t'en as peut-être allez 10. Des tchèques. Et encore. Ça a rien à voir quoi, on va dire. Et dans le sens, je vois pas de base de joueurs. Base de joueurs casu tchèque, j'en vois pas quoi. Après bon, je les cherche pas. Ils sont à 8 francs en 6 en Suisse? Non, ils sont à 6 francs. Par contre, si t'es sur téléphone, t'as le prix en plus. La microtransaction via le Play Store ou l'Apple Store. Sur mon ordi. Ah oui, il faut jamais. Faut jamais. Même resub ou. Après, je crois que resub c'est avec des jetons, c'est un peu bizarre. Mais. Si vous pouvez, subgifter jamais sur téléphone. Hein. Mais bon, ça me saoulait là même. Ok. Si je sub 39 pas, il va pas subgift. Mais si je subgift, est-ce que lui il sub 39? That's the question.
Oh, j'arrive pas. Un peu l'épique. Ouais. Ouais, parce que Epic bypassait en donnant un lien pour pas que la microtransaction se fasse via le store. Mais forcément, ça marche pas. Mais au moins, ils ont essayé de challenger. Il y a une vidéo de Sylvequin sur le sujet qui est sympa. Mais je suis nul à chier. Mais Shiro, c'est pas un joueur pro qui va rajouter à la masse globale de la population des joueurs là, qu'est-ce que tu me racontes ? En quoi un joueur de plus ? On parlait des bons joueurs. Mais y a tellement plus de bons joueurs allemands que c'est pas en allant chercher un tchèque que tu vas... Laisse tomber. Mais non, on parlait du ratio... population, bon joueur. Non, les Allemands sont presque au niveau de la France en fait, donc je te jure. Par bon joueur, je pensais joueur. Ouais, du coup. Non, mais t'as dit tout à l'heure que tu jouais pas au jeu, donc essaye pas de débattre là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Je t'aime bien. Hein. Ah, je me suis trompé, non? Ah, peut-être tu parlais pas de TM 2020 alors. Sur TMU, maintenant je sais pas. Bon bah maintenant je sais pas. J'ai pris ça comme. Maintenant. Je joue pas au jeu. Et donc je ne sais pas. Merci Hugo. Les 5 sabliers. Non, je l'ai plus pris en mode il veut débattre mais il dit lui-même qu'il sait pas. Du coup, pourquoi ? Merci de participer mais... Merci beaucoup Hugo, c'est très gentil. Merci Alain B. Pour le deuxième mois.
Oh, j'arrive pas. Non, 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 mais je vais encore la jouer un petit moment. J'ai envie d'être content d'une run au minimum. Mais ça aurait fait ça. Je connais pas assez la line. Ok. Tu penses que c'est dans les 5 prochains essais? Vas-y, je vais essayer de bien faire. Je veux juste une run. Une run plus ou moins correcte. Et je vais pas compter mon nombre de tries. Là déjà que j'aime pas trop un si en plus on me dit... Ah c'est gentil mais j'ai la flemme. Ah, tu peux cibler les sub-gifts, mais faut les faire un par un. Non, c'est demain à 21h15, comme écrit dans la prog. Oh, jeudi à 20h, il y a la bonne cup avant. Mais toutes les cups de Tom sont le jeudi à 21h15. Ouais, je comprends rien à Snowdrift. Mais c'était pas W, hein, Titan. C'est même pas update les temps, là. Y'a rien qui update. Mais non, je pense... Bah, j'ai fini et c'était point 1, tu vois. J'ai fini avec le no-respawn. Là, je sais pas de 100% si... Si vous êtes pas sûr. Merci Manio pour le 42e mois. Mmh.
Est-ce qu'il nous drift? Oh, il drift lui. Oh, je me fais bait. GLHF pour la mini RPG. Merci, Sopman. Trop loin, il est horrible ce drift. Skyawin, oui c'est Coco je crois. Ouais, j'avoue que je m'en fous un peu de Skyawin. C'était peut-être point zéro. Non, c'était pas si grave. La run n'était pas folle au global. Non, c'est pas 20h. J'ai répondu avant, c'est 21h15. À moins que... Alors, à moins que je sois pas au courant. À moins qu'il ait pas fait comme d'habitude. À ce moment-là, my bad. My bad. Mais si c'est à 20h, c'est de la merde par contre. Qualification until 19. C'est vraiment à 20h? Attends, 13.07. Ouais, c'est demain. After COT. Oh là là. Oh la flemme. Mais comment je joue la bonque, moi? Ah, la bonque a été report? Ah, pardon, j'étais pas au courant de tout ça. Et du coup, il n'y a pas de bonk? Ou il y a quand même une bonk, mais pas spéciale? Il y avait une bonk spéciale. Wow. Wow, les freeze. Nouveau système de points. Ok, ok, j'étais pas au courant. Désolé. Ça fait depuis toujours qu'il fait à 21h15, donc je suis parti du principe que qu'il y avait la bonque et que du coup il se calait sur le timing d'après. Et merci Goliath. Merci beaucoup pour le deuxième mois.
Ouais, c'était sûr. Et je t'invite à lire la programmation Cryptors. C'est les prochaines fois où c'est des questions sur ce que je fais en général le soir même. T'as direct les réponses là-bas. Bon, je vais le prendre. J'en ai marre. Je pourrais descendre en 38, mais je crois que j'en ai eu marre de la map. Hein, une heure, jouer une heure une map, c'est ok. J'ai assez. Bon, on peut regarder en entier par contre. La run WR. Non, je suis content de la run. Je pense que c'est à la fin que je perds tout globalement. Ouais, là j'ai pas beaucoup d'exit speed. Après je vais vraiment XT 1T, donc je dois ressortir avec un peu plus de speed, mais c'est ici. Ouais, il no drift et il drift ici du coup. Ok. Moi je prends le... Oh j'ai la fin. Ok. Eh bien YouTube c'est la fin de cette COTD. Alors du coup COTD avec une bonne dose de Hunt. Mais je sais que j'ai pas mal de personnes qui demandent à chaque fois si je peux refaire des sessions Hunt ou quand ça arrive les gens sont assez contents. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. On se voit très vite, pense à t'abonner et liker. À bientôt YouTube.